Miko Yotsuya est une lycéenne tout ce qu'il y a de plus classique. Cependant, un jour, elle se rend compte qu'elle a acquis la capacité de voir les fantômes. Dès lors, elle essaye tant bien que mal de les ignorer, tout en menant une vie normale. Adapté d'un manga, le premier épisode de Miruku-chan est à la fois intrigant et inquiétant. Intrigant de par son concept, assez original il faut l'avouer. Et inquiétant, car il met assez en avant du fanservice. Alors, pas le plus graveleux qui ait jamais existé, mais qui a quand même tendance à desservir les scènes, et donc l'implication du spectateur. Mais heureusement, passé les deux premiers épisodes, la série réduit pas mal cet aspect pour mieux se concentrer sur le reste, à savoir l'interaction de l'héroïne avec les fantômes. Fantômes qui n'ont pas vraiment une gueule de porte-bonheur et n'auraient pas dépareillé dans des œuvres horrifiques plus classiques. Du coup, leur présence et leur allure arrivent à créer une certaine tension à plusieurs moments de la série. Cependant, Miruku-chan n'est pas 100% une série horrifique. Elle n'hésite pas à mélanger son concept avec scènes du quotidien et humour, notamment au niveau des interactions avec ses deux amies. Anna, une fille très simple, incapable de voir les morts, et Julia, une jeune médium, qui croit que Miko est une super exorciste. Ce mélange est au final ce qui fait le charme de Miruku-chan. La série arrive très bien à trouver un équilibre entre ces divers éléments, et elle se montre même assez touchante par moments. Et le tout avec une réalisation plus que décente. Bref, une bonne surprise. Surtout quand on découvre que c'est le même studio derrière The Island of Giant Insects.